Il avait fait Garcia. Ah, oui. Garcia. Oui, ah, non. Garcia. Garcia, non. Non, il y a les Guignols, non, non, pas Garcia. Garcia, non, non. Non, non, il était obligé de faire Crawford. Comment tu vas, mon Ophélie? Très bien. Je toi te trouve resplendissante. Merci. C'est vrai, hein? L'album s'appelle Résurrection et ça te va comme un gant. C'est vrai, hein? Merci, c'est gentil. C'est vrai. Alors, c'est sorti, explique-moi tout. C'est quoi Résurrection? Ça sort le 19 mai, ça a déjà l'album. Voilà, le single est sorti le 17 mars. Mmh. Et c'est, en fait, c'est, je fais trois albums digitaux. Ouais. C'est une sortie digitale, voilà. Et, mais c'est pas une sortie traditionnelle. Non, c'est pas une sortie en maison de disque. On télécharge ça, c'est voilà, ça. Voilà, c'est uniquement sur Internet. Je connais pas grand chose, hein. Moi non plus, j'y connaissais pas grand chose. Et là, je suis productrice, donc j'ai dû m'y intéresser un peu plus. Et c'est génial parce que, par exemple, pour un single comme celui-ci, je peux faire 12 pochettes, un choix de 12 pochettes pour les gens. Et je fais plusieurs clips, je fais plein de... Enfin, il y a plein de choses qui sont très interactives. Ah, mais ça a évolué, tout ça. Et à la demande des gens, le lendemain, il faut que je sois réactive et que je mette un truc sur Internet. Donc, ah, donc il faut aller voir ça. C'est super excitant. Ça. Ça s'appelle Affection. Ça, c'est donc le single, ça. Voilà. Et l'album, je regarde l'album sur ma fiche. Résurrection. Résurrection, le 19 mai. Résurrection. Voilà. Non, mais sérieusement, je trouve que ça te va bien. Tu es en pleine forme. Ouais, ça va. Comment va ta vie? Très bien, je suis amoureuse. Parce que moi, ça m'intéresse. Ça les intéresse aussi, les gens, parce qu'ils achètent les journaux et tout ça. Et puis là, je te vois belle, comme je t'ai jamais vue en forme. Ta vie va bien. T'es heureuse? Je suis très heureuse. Est-ce que t'es heureuse d'être là aussi? Ouais, je suis très, très. Tu as vu ça? Tu aurais aimé être magicienne ou Non, je suis trop nulle pour ça. Je suis vraiment pas du tout habile. Mais par contre, le premier numéro, là, il m'a vraiment bluffée. Ah, il t'a bluffée. Et alors, je t'ai demandé de présenter ce qui va venir maintenant. Parce que c'est pas vraiment un numéro de cabaret qu'on voit dans les cabarets. C'est de la danse. Mais quand la danse est faite comme ça, le spectacle est absolument magnifique. Il s'appelle comment? Il s'appelle Show Dance. Ouais. Et en fait, c'est un peu de la danse de salon moderne. Enfin, c'est un lifting à la danse de salon. Ah, complètement. Avec des influences musicales assez, assez fortes. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est monsieur Marc Barbieri qu'on a souvent dans cette émission. Barbieri. Alors, ils vont être en tournée en France, à Toulouse le 24 avril, à Montpellier le 25 avril. Moi, je vous fais ce cadeau parce que c'est esthétique. Vous allez voir ce qu'ils arrivent à faire sur cette musique. C'est magnifique. C'est du grand art pour moi. Voilà, Show Dance, cadeau. Merci au public. Merci.